Salut tout le monde, c'est Sundard et bienvenue sur la découverte de Undertale, le jeu de l'année 2015, enfin sorti en français. Un grand merci à l'équipe de traduction qui travaille dessus depuis plus d'un an et un gros, gros, gros merci à Monsieur X Sega pour m'avoir offert ce jeu. Alors tout d'abord, on va lire le lisez-moi d'Undertale.fr qui a patché donc ce jeu. Alors attendez, hein. Hop, voilà. Merci d'avoir téléchargé le patch de traduction non officiel d'Undertale. Après un travail de près d'un an sur l'adaptation intégrale de l'œuvre, commencé début 2016, nous sommes finalement heureux de vous présenter le fruit des efforts de toute une équipe de passionnés. Ce patch a pour vocation première de faire découvrir le jeu indépendant de Toby Fox aux personnes peu familières à la langue anglaise. Ça, c'est moi. Ainsi qu'aux fans désireux de profiter d'une nouvelle vision de l'univers de Fox entièrement réadapté dans la langue de Molière. Notez cependant que la traduction amateur parfaite n'existe probablement pas, et à ce compte, certaines irréductibles erreurs pourraient encore rôder dans les fichiers à l'abri des regards tapis dans l'ombre. Heureusement, nous veillons. Ainsi, nous nous engageons à vous apporter dans les mois qui suivront cette mise à jour le maximum de correctifs nécessaires à son perfectionnement, et pour ce faire, nous avons besoin d'une seule aide, la vôtre! Ainsi, si vous souhaitez enrichir notre travail de vos remarques et vos impressions, n'hésitez pas à les envoyer par email à l'adresse suivante, undertalefrance@gmail.com. Votre contribution et vos retours seront très appréciés. Cependant, prenez garde à ne pas confondre les bizarreries d'Undertale avec des fautes. Cela est arrivé maintes fois lors de nos sessions de bêta-test, c'est pourquoi nous avons dressé un tableau de fausses erreurs, trouvables sur le site, que l'on peut rencontrer en jeu. Pensez y jeter un œil avant de nous mailer. Mais assez papoté, nous espérons que chacun d'entre vous trouvera son compte dans cette traduction et que vous passerez un moment agréable en compagnie des protagonistes de ce petit voyage rétro. Gardez votre détermination, vous en aurez besoin. Humain, c'est parti, je démarre le jeu. Undertale, avec le chat. J'ai dit que je le faisais sans le chat, mais je compte sur vous pour ne pas spoiler. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Avec un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre. Maintes années passèrent. Le mont Ibot en l'an 2000, on sait pas combien. On raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Oh, je me prends les pieds dans un truc et je tombe dans un trou. Ça, c'est moi. Je n'ai pas de visage. Et vraiment, totale découverte. Hein. Je n'ai vu aucune image du jeu. Rien du tout. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et je joue dans une résolution minuscule. Undertale! Pressez 2 ou entrée. Instruction confirmée, annulée. Le menu en jeu. F4 plein écran, non. Si vos PV atteignent 0, vous perdez. Ah ouais? Commencer le jeu. Toby Fox 2015. Nommé l'humain ayant chuté. Sundard. Quoi? Je peux... Attendez. J'ai pas envie de mettre mon vrai nom parce que voilà. Je m'appelais Toon. Ou Wurst. Non, je m'appelais Ton. Tonton. Tonton, c'est bien. Après un temps infini perdu dans cet écran, nous allons enfin commencer. Je m'appelle Ton. Ou Tundi. Est-ce que Tundi, ça passe? Mais Tundi, ça passe bien. Salut Slibibiche, c'est une fan trad, oui. Ce nom est-il correct? Il est tout à fait correct. Je suis Sandy. C'est moi? C'est moi. Ok, j'ai un pull gris avec des rayures bleues.
Je commence dans les fleurs. Ok, je suis tombé dans les fleurs. C'est parti, c'est l'aventure. Avec des doublages pourris, bien sûr. Coucou, moi c'est Flowey. Flowey la fleur. Me présenter à nouveau? Et puis quand encore? Mais je le connais pas, j'y ai jamais joué. C'est pas très poli de faire comme si tu me connaissais pas. J'ai juste fait un test. J'espère que les dialogues ne changent pas du coup. Quelqu'un se doit de t'apprendre les bonnes manières. Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller? C'est parti. Tu vois ce cœur? C'est ton âme. La somme de tout ton être. Au début, ton âme est faible, mais devient plus puissante en gagnant des LV. C'est quoi LV? Ben, love, l'amour évidemment. Tu veux de l'amour, non? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Le petit clin d'œil. Ici, l'amour se partage grâce à de petits pétales d'amitié. C'est bon pour toi? Bouge, attrape-en autant que tu peux. D'accord. Imbécile! Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Qui sera assez stupide pour louper une occasion pareille? Et du coup, j'ai pas la vraie fin du jeu, c'est ça? Ne me dites rien, je m'en fous. Oula, ouh, je dois éviter ça. Meurs! Oui, mais non, mais... C'est pas drôle. Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent! Ah, n'aie crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Salut Valedrum. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi. Je vais te guider à travers les catacombes. Elle a un accent anglais. Par ici. Non, je refuse. Je refuse, je vais fouiller le jeu. On va faire 100% du jeu. Une étoile. L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. Les PV entièrement restaurés. Et je peux sauvegarder. Voilà. 2 minutes 54. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Les ruines sont remplies d'énigmes. Elles consistent en un amalgame archaïque de clés et de subterfuges. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Apprête-toi à en voir souvent. Bon, c'est pas compliqué, je fais ça, c'est. Qu'est-ce que ça dit? Que les intrépides s'avancent et les braves, les sots ne passent pas par le centre. Ok. Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ceux que tu dois actionner. Et mais j'ai pas confiance. Vous êtes des trolls. Restez sur le chemin. Ok. Appuyez sur Z pour lire les panneaux. Une porte cachée. Est-ce que je peux grimper? Est-ce que je peux nager? Est-ce que je peux passer sur les ponts? Oui. Le premier interrupteur se trouve sur le mur. As-tu besoin d'aide? Appuie sur l'interrupteur sur le mur. Allez, tu peux le faire. Salut Nemosis. Salut Dolphine. Salut Lanlos. Vas-y, appuie sur l'interrupteur de gauche. Tu sais où se trouve ta gauche, n'est-ce pas? Appuie sur l'interrupteur que j'ai marqué pour toi. Non. Bon, allez, j'arrête de déconner. J'ai envie de lire tous les dialogues. Je suis bêta-testeur. Non, 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 non. Tu dois appuyer sur l'autre interrupteur.
Je l'ai même marqué pour toi. Non, non, non. Ok. Salut Platy. Superbe, je suis fier de toi, mon enfant. Passons à la petite pièce, à la pièce suivante. Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Mais n'aie crainte, le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Essaye de gagner du temps, je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler au mannequin. Le mannequin. Et là, le combat. Vous rencontrez le mannequin. Alors, je le chante. Oups. D'accord. Très bien. Des mini-jeux, tout ça. Victor, vous obtenez 0 XP et 0 PO. Ah, les mannequins sont là pour parler, pas pour se battre. Oups. On ne voulait faire de mal à personne, n'est-ce pas? Allez, viens. Bon, bah là, je crois que j'ai merdé. Je peux le refaire ou pas? Est-ce que je peux retourner par là? Oups. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Je me demande si tu peux la résoudre. Je te suis. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Attends. Y a-t-il vraiment une énigme dans cette pièce ou alors est-ce que c'est un troll? Voyons voir ça. Comment ça marche? Ok. J'ai un bâton et mon armure, c'est un pansement. Salut Unlucky's. Combat. Croix-pau vous attaque. Donc, combat, action, objet et clémence. Faisons une action. Examiner, menacer ou complimenter. Croix-pau attaque 4, défense 5. La vie est dure pour cet ennemi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, l'ennemi se fait engueuler. Victoire, vous obtenez 0 XP, 0 PO. Non mais laisse-moi m'entraîner aussi. La pièce à l'ouest sert de plan à celle de l'est. L'ouest. Donc ça, ce sera un plan. Ça, le chemin. D'accord, j'ai tout fait à l'envers. Il fallait tuer la grenouille, mais il fallait parler au mannequin. J'ai fait l'inverse. Voici l'énigme, mais... Viens, prends ma main un instant. Ok, et là je refais le chemin qui était indiqué à l'ouest. Bien. J'ai compris. Les énigmes m'ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. J'aurais dû y retourner. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Mais pas de soucis. Par contre, je peux pas revenir en arrière, donc j'ai peut-être raté des trucs, j'en sais rien. Je reste sur le chemin. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? C'est une pièce sans fin, c'est ça? Non. Ah ah! Je t'ai trouvé! J'ai réussi. Salut Sarias. Salutations, mon enfant! Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné! J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps.
Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Sois sage, d'accord? D'accord. Donc j'ai un téléphone portable. Je peux l'appeler. Dire bonjour à propos de toi, l'appeler maman ou flirter. On va dire bonjour. Appel en cours. Toriel à l'appareil. Viens le regarder. Tu voulais juste me dire bonjour. Eh bien, bonjour. J'espère que ça te convient. Ok. T'as la tête de pas réveiller, mais c'est tout à fait moi. Sauf que j'ai plus de cheveux. Un croix popo. Le téléphone. Ah bah tiens. Allô? Toriel à l'appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Si. Tu fais tout à l'envers. Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? Bon bah je reste là. Je fais ce qu'on me dit, moi. Elle a pas laissé un truc là derrière. Bon, eh bien, je vais combattre cet enfoiré. Je vais sauvegarder avant. Faire crisser les feuilles avec espièglerie vous emplit de détermination. Le tas de feuilles. Quoi, quoi? Excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils à donner pour affronter les monstres. C'est pas une voix de... Enfin, soit. Si tu effectues certaines actions ou si tu continues le combat jusqu'à les épuiser, ils pourraient ne plus avoir envie de se battre contre toi. Si un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît, fais preuve de clémence. Ok. Ok, j'ai compris. On peut pas couper. Ok. Là, blablabla. Donc je dois faire preuve de clémence. Ah, combat. Donc on va faire action. Je vais le complimenter ou le menacer. Je vais le menacer. Croix Pao n'a pas compris ce que vous avez dit, mais est quand même apeuré. Tremble, tremble. Non, j'évite les petites mouches. Ça va, c'est facile, pour l'instant. Croix Pao semble réticent à l'idée de vous combattre. Eh ben, je vais le rendre fou. Croix Pao n'a pas compris ce que vous avez dit, mais quand même flatté. Il rougit fortement. Hop, 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 hop. Bon bah je vais le défoncer. On défonce. Combat. En plein milieu. Miaou. Clémence. Propose semble réticent à l'idée de vous combattre. Bon bah s'il est réticent. Non mais je vais pas le combattre. Clémence. Épargner ou fuir. On va l'épargner. J'obtiens un PO. Ok. Bien. Salut Adam Smith. Il est marqué, prenez-en. Prendre un bonbon, oui ou non. Vous décidez de ne pas en prendre. Vous prenez un bonbon. Appuyez sur C pour ouvrir le menu. Un bonbon monstre. Bonbon monstre soigne 10 PV à un goût très prononcé d'absence de réglisse. Je vais dans les feuilles. Alors dans les feuilles, il y a d'autres trucs. Un hémoplasme s'approche docilement. Je vais l'examiner. Ce monstre est trop émotif pour se battre. Trop émotif.
Je suis désolé, oh là là, il est désolé, mais attention. Il évite tout contact visuel. On va jouer le gentil, je le console. Alors que vous vous apprêtez à parler, Hémoplasme éclate en sanglots et s'enfuit. Bon. Est-ce qu'il y a un moyen différent de combattre tous les ennemis afin de gagner des XP? J'ai envie de combattre encore. On va tester des... Oh mais non, mais pas lui. Il sautille vers moi. Bon bah je le défonce. Aïe! Oh, la petite mouche! L'odeur de graines de moutarde imprègne le champ de bataille. En fait, c'est le bon. Ok, il faut appuyer sur A puis sur B pour. Bon Je te complimente. Il n'a pas compris, mais il est quand même flatté. Ok, je me demandais ce que c'était ce truc. Clémence. Est-ce que je fuis? Non, je vais l'épargner. Je ne fuis pas. Et je gagne un PO à chaque fois. Avançons. Il y a des trucs sur le sol. Ok, je suis tombé dans un trou. Je le flatte car je le menace. Donc encore l'hémoplasme, action. Je vais te terroriser. Vous levez vos bras et remuez vos doigts. Hémoplasme panique. Il en peut plus. Il hyperventile. Je vais le terroriser jusqu'à la mort. Bon, ça sert à rien. Si je le console, il s'en va. Alors que vous vous apprêtez à parler, Hémoplasme éclate en sanglots et s'enfuit. Bonne nuit, monsieur X et Sega, et merci encore pour Undertale. À gauche ou à droite? À gauche. Oui, mais je tombe tout le temps. Ah oui, mais va à droite alors, espèce de débilos! Il se passe quelque chose lorsque je mets des trous partout. Je le défonce. Et j'ai 2 XP et 2 PO. Et ben maintenant je vais tous les défoncer. Les hémoplasmes. Salut Mordecai. Salut Bridgefy. Ouais, donc il n'y a rien. Il s'approche docilement. Allez, Clémence, épargnée. Et ça sert à rien. Il faut les tuer. Nouvelle pièce. Encore Toriel. Allô? Toriel à l'appareil? Juste comme ça, que préfères-tu entre la cannelle et le caramel? Le caramel. Oh, je vois. Merci beaucoup. Mais laisse-moi jouer. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? Toriel, sans déconner. Tu ne détestes pas la cannelle, si? Si. Je connais tes préférences, mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord? D'accord? Je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Trois rochers gris sur 4 vous recommandent de les pousser. Trois rochers gris sur 4. Combat! Encore un hémoplasme. J'arrive pas à le faire correctement. 2 XP, 2 PO. Trois rochers gris sur 4 vous recommandent de les pousser. Super difficile. Encore des trous.
qu'il y a une indication ici. J'ai raté. Est-ce que j'ai raté? Mais qu'est-ce que je peux faire? Clémence. Clémence directement. Fuir. Voilà, j'ai fui. Aucune indication particulière. D'accord. Ne marchez pas sur les feuilles, s'il vous plaît. Hein, je fais ce que je veux. Je marche sur toutes les feuilles. Tu n'as pas eu la même chose en jouant sur ce passage. C'est peut-être que t'as pris la cannelle. Gélinuscule bloque le passage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais le complimenter. Je vais flirter avec lui. Je vais l'imiter. Imitons ce truc. Vous vous allongez près de Jenny Gélinuscule, vous sentez votre perception du monde s'élargir. Déhanchement sexy. Le petit manic shooter. Gélinuscule rumine. Eh bien, je vais flirter avec toi. Vous faites des déhanchés. Gélinuscule se déhanche aussi. Quelle conversation éloquente. Un anus gélatineux. Et c'est la même chose. Pas de soucis, hein. Ça je gère. Gélinuscule attend pensivement. Épargné. Et là il y a un type dehors qui m'attend et qui m'engueule parce que j'ai marché sur les feuilles. Ah ouais! Attends, c'est les deux... C'est les deux jeux en même temps. Ok, 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 bien, 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 bien. Excellent. Oh! Non, 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 tu ne vas pas fuir. Salut petit rond. Hémoplasme continue de bafouiller des excuses. En plein milieu. 5 XP, 4 PO, votre love augmente. Le pouvoir de l'amour augmente. Donc j'avais fait quoi? J'étais passé comme ça. Attendez, est-ce que c'est le chemin? Ne marchez pas sur les feuilles! D'accord, j'ai compris, donc je dois faire... Bon, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Gélinuscule, je le défonce. Splotch. Je sais pas si les feuilles, c'est une indication pour trouver le chemin au-dessus. Bah oui. Et voilà. Vous n'avez pas lu le panneau en bas? Mais si! Oui, bon, ça va, j'ai marché sur les feuilles. C'est quoi le chemin? Ok, faut aller en dessous. Là, il y a le panneau, tu vas tout en bas, tu fais tac et tu fais tac. Un croix-pot se tient vers vous. Je vais le complimenter pour cette action incroyable. Il n'a pas compris ce que j'ai dit, mais il est quand même flatté. Wow, qu'est-ce que t'as essayé de faire là? Ça va, le son n'est pas trop fort. Ou pas assez fort.
Salut Spook Ranflo. Donc le truc, tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Et ça. Et ça. Et c'est gagné. J'ai pas lu. Heureusement. Donc trois rochers demandent à être poussés. Une paire de crapauds sautille dans votre direction. Donc là ça va être chaud. Oh! La force pure de crapaud vous intimide. Ou pas. L'odeur de graines de moutarde imprègne le champ de bataille. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu ne m'attraperas jamais. Heureusement que je lis pas le chat. Hein. Je suis dans mon jeu, je vous ignore totalement. Merde, attendez! Il y a un ordre là. Il y a un ordre. Attends, attends, attends. Soit ça, ou soit c'est l'inverse. Hé là, partenaire! Qui a dit que... Qui a dit que tu pouvais me pousser? Hmm? Donc tu me demandes de bouger? Ok. Juste pour toi, mon lapin. Hmm. Tu veux que je bouge encore un peu? Oui. D'accord, d'accord. Mais ça va comme ça. Non! Mais qu'est-ce que tu... Ne fais pas le con, caillou! Hmm? C'était la mauvaise direction. Ok, je crois que c'est bon. Ah, c'est bon, il a compris. Par contre, tu restes sur le bouton. Gélinuscule bloque le passage. Salut Killer TV. Bruit visqueux. Gélinuscule attend pensivement. Et donc la clémence, il s'en fout en fait. Si je l'épargne. Bon, j'ai un PO. Je le savais. Je le savais. Laisse-moi passer. Non, je peux pas pousser les autres cailloux. Tu veux que je reste dessus? Mais oui. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Les choses ne sont-elles pas plus simples quand tu le demandes? Tu es gentil. Tu es gentil. Ok. Il y a un trou de souris. Savoir que la souris sortira peut-être un jour de ce trou pour manger le fromage, cela vous emplit de détermination. Déjà 28 minutes. Il y a une petite souris. J'entends une petite souris. Vu son apparence, ce fromage est ici depuis assez longtemps. Il est collé à la table. C'est la table, non. Je vais appeler la petite souris, non. Je... Vu son apparence, oui, c'est un fromage vieux qui colle à la table. Bon, faudra peut-être revenir plus tard, je ne sais pas. Allez, salut souris. C'est quoi ce fantôme? Fantôme fait dodo. Allez, pars. Ce fantôme n'arrête pas de répéter ZZZZ à voix haute en prétendant dormir. L'écarter de force, non. Mode pacifiste. Bon bah, je vais être obligé. Laisse-moi passer, fantôme. C'est un boss. Et voilà Napstablook. Napstablook. Je vais le complimenter. Flirter, menacer ou encourager. Flirtons. Je ne ferai que te gêner.
Ah oui, d'accord, c'est un boss. Napstalouk aimerait être autre part. Tu es gêné. Je vais t'encourager. Vous souriez patiemment à Napstalouk. Napstablouk. Hey, je suis vraiment pas d'humeur en ce moment, désolé. Napstalouk a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Eh ben, je vais l'encourager une fois de plus. Vous racontez une petite blague à Napstablouk. Napstablouk. Il a pas aimé ma blague. Bon, ça sert à rien ça en fait. Attaque 10, défense 10, ce monstre semble dépourvu de sens de l'humour. Oh, je suis vraiment marrant. Bon, attention. Ça va, ces attaques sont pas super compliquées. Je vais te défoncer. Je suis désolé, un Napstalouk, bloc. Les musiques sont excellentes pour l'instant. Petite ambiance Jay-Z. Ça me fait beaucoup penser à Off de Mortis Ghost. Les encouragements semblent avoir amélioré l'humeur de... Ok. Non, lui, il faut le défoncer. Je traîne juste dans le coin. Ou alors il faut faire Clémence. Bute-les tous, pas de survivants. Les encouragements semblent avoir amélioré. Oui, mais attends. C'est trop facile. Il y a sûrement autre chose à faire. Je vais te menacer. Vous lancez un regard cruel à Napstablouk. Bon bah allez, on va le défoncer définitivement. Je vais bien, merci. Tu sais que tu ne peux pas tuer les fantômes, non? Vu qu'ils sont immatériels et tout. Je baissais juste mes points de vie pour ne pas te vexer. Désolé. J'ai juste rendu ça encore plus gênant. Fais comme si tu m'avais battu. Ouh, je suis un fantôme. Victoire, vous perdez. Un point d'expérience. J'ai perdu un point d'expérience. Très bien. C'est quoi ce panneau? C'est quoi cette toile d'araignée? Laissez 7 PO dans la toile. C'est quoi les PO? C'est l'argent? Ah oui, d'accord, c'est l'argent. Et c'est 18 PO dans la toile. Vente d'arachno-pâtisserie. Tous les fonds récoltés reviennent à de vraies araignées. Quelques araignées arrivent vers vous et vous donnent une carafe. Salut Harry Cover. J'ai une carafe. Alors voyons voir les objets. L'arachnocidre. L'arachnocidre soigne 24 points de vie à base de jus concentré, pulpe et araignée incluse. Combien ça coûte ça? 7 PO? Je n'ai plus de PO. Quelques araignées arrivent, vous donnent un arachnodonut. Un donut fait avec des restes d'arachnocidre. L'auriez-vous manqué, la vente d'arachno-pâtisserie se trouve en bas à droite. Des friandises faites par des araignées pour des araignées à base d'araignées. Salut les gars! Je fais bien la grenouille. Je veux dire que F4 peut te mettre en plein écran. Je m'en fous. Mais à quoi peut bien correspondre F4? 4 frangins? Je crois bien que nous ne sommes que 3 frères croipeaux ici. Un troublant, un vraiment troublant. J'ai entendu dire que tu étais assez clément pour un humain. Tu sais sûrement déjà que les monstres qui portent des noms jaunes peuvent être épargnés. Non, je ne le savais pas.
mais je l'ai lu sur le chat tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses? Très utile ou c'est nul? Bah c'est nul. Ah, vraiment? Alors je dirais à mes amis de dire aux amis de leurs amis. N'utilisez jamais les noms jaunes. Qu'en dis-tu? Gardez les noms jaunes. Ok, ils continueront à utiliser les noms jaunes. Désolé, c'était un très bon indice. Allô? À vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ça et là. Tu peux les ramasser, mais limite-toi au strict nécessaire. Salut Kufid. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches. Ah, inventaire limité. Bah attendez, vous dites que vous êtes 3. Il est où le troisième? Non, 4. Ah non, 4 frangins, vous êtes 3, je sais plus. Vous m'avez perdu. Il n'y a qu'un seul interrupteur. Il n'y a qu'un seul interrupteur. Non mais ça me rappelle vraiment, mais vraiment off. Je suis sûr que le mec s'est inspiré de off, c'est obligé. Bon. Ah! Je tombe dans un trou. Salut Emergine, salut Humble Simulacre. Et ça c'est quoi, une carotte? Francil! Salut Francil! Bon déjà je vais le complimenter, non? Examiner, embêter, ne pas embêter. Francil, attaque 6, défense 6. Ne l'embêtez pas, nom de famille, l'alarme. Ne m'embête pas, merci. Francil vous transperce du regard. Eh bien, je vais... l'embêter. Quelle petite créature malpolie! J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi. Francil me fixe. Enfin quelqu'un qui a compris. Voilà, il faut tout essayer. Francil grince des dents. Enfin quelqu'un qui a compris. Il dit toujours la même chose. Donc je sais pas si ça a vraiment une importance. Donc je vais défoncer Francil. En plein milieu, fieu. Ça fait peur à voir. Francil vous transperce du regard. Son seul et unique regard. Hop! Arrête de me fixer. Francil, l'arme-moi. Vous obtenez 8 XP, 10 PO, votre love augmente. Et ça, c'est quoi? Une carotte. Oh merde, attention, la carotte démoniaque, gnac, légumoïde sort de terre. Produit local, très local. Là, il m'attaque avec des fruits. Des fruits, des légumes. Examinez, mais je vais le dévorer. Parler ou déjeuner. Déjeuner. Vous frottez le ventre, légumoïde vous offre un repas équilibré. Attention, l'attaque vegan. Oh, pourquoi c'est en vert? J'aurais dû le choper peut-être. Les légumes parlent pas en douille. Je sais pas à quoi ça sert ce menu d'action là. Vous essayez de manger légumoïde mais il n'est pas assez affaibli. Mmh. Il faut l'affaiblir. Eh ben je vais l'affaiblir. Tape un tout petit peu. Voilà, il est assez affaibli. Contient des vitamines A.
Vous prenez une bouchée de légumoïdes. Vous regagnez 5 PV. Excellent. Par contre, je n'ai pas d'XP, je n'ai pas de PO. Ok. C'est Léguman. Bon, ils auraient dû l'appeler Léguman. Je vais toutes les essayer de toute façon. C'est quoi ça? C'est un serpent. Vous trouvez un ruban délavé. Un ruban délavé. Est-ce que c'est une nouvelle armure ça? Non. Armure défense 3, les monstres attaquent moins fort. Les monstres attaquent moins fort tout ce qui est mignon. Donc c'est bien une armure. Comment je change l'armure? Utiliser. Vous équipez du ruban. J'ai le ruban délavé. Ok, très bien. Je vais appeler machin. Toriel. Toriel à l'appareil. Tu veux en savoir plus sur moi? Eh bien, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire. Je ne suis qu'une vieille dame qui s'inquiète trop. Ok, c'est une vieille dame. Pièce suivante. Attention, c'est quoi? C'est un crapaud, un légumoïde encore une fois. Je vais t'affaiblir. Bon, je sais pas si c'est le jeu du stream. Enfin bon, voilà. C'est un petit peu lent. Là, je t'affaiblis et je vais te manger pour regagner 5 points de vie. Ouh! Il semble un petit peu abîmé. Non! Oh! Dévoré! Ah, par contre, j'ai pas de points d'XP ni rien. Pièce suivante. Non, ce sera en dernier, ça. Là, il n'y a rien. Et voilà, pour ceux qui connaissent déjà le jeu par cœur, c'est amusant à regarder. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de quitter ce stream. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Ne vous gâchez pas le plaisir de la découverte. Légumoïde sort de terre. Tiens! Recommander aux femmes enceintes et aux personnes âgées, les légumes. Non, encore combat. Adieu Golden. Oh, il est un petit peu abîmé. Ce jeu me donne faim. J'ai envie de manger un truc. Ça va bientôt être la pause, je sais pas. Oui. Si je vois les stats, est-ce qu'il y a le temps du jeu? Non. Non, c'est à chaque point de sauvegarde. On continue. Coucou. Bon, là, je vais te défoncer direct. Je ne vais pas te dévorer. Et là, on est parti pour toute la nuit. Hein. Vous obtenez 6 XP et 1 PO. Faire un petit combat et après on va appuyer sur le bouton. Allô? C'est dommage qu'on voit pas le ruban sur le personnage. Bon, allez, on s'en fout, on appuie sur le bouton. Ah ben voilà Francil.
Ne m'embête pas, merci. Ne m'embête pas, merci. Ok. Enfin, quelqu'un qui a compris. Et ça change rien. C'est peut-être pour affaiblir ses attaques. Enfin, un duel de regard. On a vraiment, au niveau du design, de la musique, tout ça, ça me rappelle beaucoup Off. Que je vous conseille absolument, si vous êtes fan d'Undertale. Salut Tayares. Le bouton. Et c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte au fond n'est pas une sortie, elle marque simplement un changement de perspective. Ok, j'imagine le délire. La porte du fond. C'est un interrupteur, appuyez dessus? Non. Ok, j'ai compris. Donc la colonne qui se trouve là. Là, il y a un interrupteur, c'est ça? Je comprends vite, hein. Je suis intelligent. QI 125 de QI. Mais à quoi ça sert, du coup? Je vais lire le panneau en bas. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur bleu. L'interrupteur bleu, il est là derrière. Non? Ou là derrière? Mais non. C'est qui? Oh bordel, toute la famille est là! Francis et compagnie ont décidé de s'en prendre à vous! Mais je vais mourir! Bon allez, on teste. Oh là là, mais je vais me faire défoncer! Oh, j'aurais pu les vitesses, hein. Francis vous fixe. Gosp. J'étais à l'œil pour un petit déjeuner complet. Attention à l'essaim. L'essaim d'abeille. Oui. Francis l'armoi. Francis, je le défonce. Au revoir, Francis. Aïe. Pas bon. De toute façon, je vais te manger, toi. Tous en cœur, maintenant. Ah non, ils ont bien assuré, hein, la version française. D'ailleurs, j'ai suivi le truc pendant un an. Sans me spoiler, et j'ai vu qu'il posait pas mal de questions avec des stropoles, par exemple, pour certains jeux de mots, tout ça, pour avoir l'avis des fans. Donc c'est fait avec beaucoup de talent et de respect. Maintenant, c'est à vous de juger, hein. Moi je connais pas le jeu original. Donc là, je peux la clémence, mais je vais te dévorer. En même temps, j'en avais pas besoin, j'ai 26 sur 28. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite danse. Il ne se sent pas concerné le moins du monde. Salut toi. Salut. Il s'emballec. Je vais t'épargner. Voilà. Je t'épargne. J'appuie sur l'interrupteur bleu. Rien ne se passe. Mais oui, mais attends. Cette colonne-là, c'est la colonne qui est là. La colonne qui est là... À moins qu'il y ait une colonne là au fond. Mais oui, débilos!
donc elle est forcément là derrière. La porte au fond n'est, oui, n'est pas une sortie, elle marque simplement un changement de perspective, ça j'avais compris. Et le bouton bleu est un troll. Peut-être qu'il y a un combat ici. C'est quoi cette pièce qui sert à rien? Aucune idée. Bon, je vais appuyer sur tous les interrupteurs du coup. Vous remarquez qu'il y a un interrupteur bleu derrière le pilier du haut. Du haut, celui-là. Ça c'est le haut en fait. Ah mais j'avais compris ça. Vous entendez un déclic? Quoi? Bah attends. Attends. Ah oui, c'est le changement de perspective. Donc si je vais là, en fait, c'est comme si j'étais là-bas. Mais voilà, brainfuck. Je saigne du nez là. Allez, je sors d'ici. Oh non, est-ce pas possible? C'est encore ça. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur rouge. L'interrupteur rouge qui est forcément là. Mais non. Non, l'interrupteur rouge doit être là. C'est le bordel. C'est le total mindfuck. Bon, bah, j'appuie sur le rouge. Tout simplement. Ok. Comment on traduit le jeu? On théo le jeu? Ok. Je viens de comprendre. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur vert. C'est pas bien de se moquer de mon... De mon daltonisme. Nims. First try, PGM. Ce passage est tellement long qu'on ne le connaît pas. Oula. Je vais peut-être continuer mon... Je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais par là? J'ai peur de rater des trucs. Je vais peut-être aller par là, tout compte fait. De toute façon, tant que je sauvegarde pas, il n'y a pas de souci. Oh, j'ai bien fait. Vous avez trouvé le couteau en plastique. Est-ce que c'est mieux que mon bâton? Le couteau en plastique. Couteau plastique! Il est en plastique. C'est rare de nos jours. Arme attaque 3. Est-ce que je peux voir les stats de mon bâton? Aucune idée. Vous équipez du couteau en plastique. Est-ce que le bâton se trouve dans ma liste d'objets? Ah oui. Il aboie mais ne mord pas. J'ai un bâton qui aboie. Merci Golden. Green ça veut dire vert. Oh malheur, malheur. Cela a pris plus de temps que je ne l'avais pensé. Non mais je suis là. Que fais-tu ici mon enfant? Tu n'as rien? Viens, viens, je vais panser tes blessures. Je n'ai pas de blessure. Je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps. Salut Anomaxeur.
C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre ainsi. Oups. Bien. Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, petit être. À chaque fois que des feuilles poussent sur ce vieil arbre, elles tombent immédiatement. Je ne peux pas bouger. Attends, est-ce que je suis censé la suivre et en fait je suis bloqué par l'arbre? C'est quoi ces conneries? Allô, je suis bloqué! Dire bonjour! L'appeler maman? Dire bonjour. Tu souhaites encore me dire bonjour? Je suis bloqué par un arbre. Salutations! Est-ce suffisant? Je crois que le jeu a planté. Le jeu de l'année 2015 vient de planter sous mes yeux ébahis. À chaque fois que des feuilles... Oh non, mais le jeu n'a pas planté ici. Maman! Appel en cours. Appel en cours. Hein? Tu viens de m'appeler maman? Eh bien, si tu veux. Est-ce que ça te ferait plaisir de m'appeler mère? Merde. Alors appelle-moi dès que tu en as envie. Ah, j'ai débloqué la situation. C'est bon. Il fallait l'appeler maman. Bon. Et il y avait un point de sauvegarde juste là. Voir une maison si mignonne et ordonnée dans les ruines vous donne de la détermination. Je sauvegarde. Je suis à 57 minutes. Et donc je m'arrête ici, à bientôt pour la suite d'Undertale en français, ciao!